Bonjour, la boss. Bonjour, bonjour. Laisse pas planter là, là. Viens t'asseoir, Guido. Assieds-toi. Merci, boss. Moi pis les autres gars, là, ça fait un bout quand ça jazz, là, pis faudrait que je vous parle de quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Guido? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, boss, moi pis les gars, là, on était un peu tannés de péter des gueules à n'importe quelle heure, là, tu sais, la nuit, pis à la fin de semaine. On aime ça, péter des gueules, là, ça c'est certain, boss, là, mais on a nos familles aussi, là, tu sais. En plus, là, quand on rentre à 4h du matin, là, nos femmes, ils nous craignent pas qu'on était sans job. Tu veux-tu que je vous écrive un petit papier comme à l'école pour vos femmes? Ouais, ben, y a pas juste ça, boss, là. On prend pas mal de risques, là, t'sais, pis on peut se faire descendre ou aller en prison à votre place, là. Pis on a même pas de fonds de retraite, là. T'sais, sans compter que quand on en mange une, il faut qu'on paye nous-mêmes pour l'hôpital pis le docteur, là, fait que... Moi pis les gars, là, on s'est dit que si ça change pas, là, on va partir un syndicat dans la shop. De qu'est-ce que tu m'as dit là, Guidos? C'est pas sérieux, ces niaiseries-là. Ben, boss, à chaque fois que qu'on vous demande de meilleures conditions de travail, là, vous nous écoutez pas. La dernière fois, Tony, il voulait juste qu'on mange ailleurs qu'au restaurant italien des fois, là, pis vous l'avez fait descendre. Je le sais, c'est moi qui ai eu le contrat. Come on, boss, là. On n'est pas chez Holimel ici, là. On peut se parler, hein? Vous pouvez bien mettre un contrat sous ma tête, là. Mais moi pis les gars, on a checké le mot ça, solidarité, dedans le dictionnaire du gros Giuseppe, là. Pis personne va venir me descendre sans avoir de meilleures conditions de travail. Tu me fais-tu des menaces, toi, là, à 7 heures? Ben, vous le savez, boss, que je suis bon là-dedans, parce que c'est pour ça que vous me payez, là, On va commencer par vous demander juste des petites affaires. Les bas de nylon, là, à M2 Hold Up, là, on pourrait-tu au moins les laver? Ou en acheter des nœuds? Parce que Rizzo, l'autre jour, là, il avait une maille drette dans l'œil, puis il a failli m'en tirer dessous parce qu'il voyait rien. J'ai-tu l'aide d'une caissière populaire, moi? Puis, parlant de linge, là, on aimerait ça, s'habiller comme on veut, au lieu d'être obligé de porter les uniformes, là, parce que les vestons double breast rayés pis les gros collants, là, on trouve que ça a de l'air fou. Tu trouves que j'ai de l'air fou, moi, là, là? Non, non, boss, mais vous, c'est pas pareil. Vous vous habillez de même par choix. En plus, là, c'est quoi ce maudit accent-là? Ça fait 3 générations que ma famille est ici, là, pis j'ai encore ce maudit accent-là. Luigi aussi, pis... Pis Gino, pis Fabio, pis le gros Giuseppe. On peut-tu avoir des cours de perfectionnement au lieu de parler comme des stéréotypes, là? Pis, faut-tu écouter tout le temps cette maudite toune-là? C'est-tu tout, là? Ben, on est-tu vraiment obligé de garder Alfonso Caliano, là? On pourrait pas dire aux autres qu'on l'a mis dehors pis que c'est un chinotoc comme maintenant, là. Bon, ça va faire, hein? Comme ça, les autres, pis toi, vous avez parlé, hein? Oui, boss. Pis ils t'ont nommé délégué, hein? Oui, boss. Ben, je suis pas sûr que c'est tes amis, hein, capiche, hein? Parce que là, tu dis n'importe quoi, là, hein? Pensez-y 2 minutes, là, hein? Tu veux-tu t'habiller comme une gang de rue avec le fond de culotte que t'as chié dedans, hein? Tu veux-tu faire un rapport d'impôt aussi, hein? Hein, qu'on fasse l'employé du mois avec une petite photo, hein? Tu veux faire des vols de bande juste entre 9h pis 5h le soir, hein, si ça te dit? Ben, oui, boss. Ben, les banques, là, hein? T'en connais-tu, toi, hein? T'en connais-tu des banques, hein, qui sont ouvertes plus que de 11h le matin à 3h de l'après-midi, hein? Attends, mais le boss, là, les banques de la... Non, la banque de la... Ben non, boss, Ben, tu vois, hein, que tu en dis des niaiseries, là, hein? Pis en plus, mon Guido, hein, on n'a pas besoin de syndicat. On marche déjà par ancienneté, hein? Hein, si vous partez en syndicat, là, hein? J'engage des hindous de 12 ans, hein? Ils sont incapables de péter un délire pour le pas mal moins cher que vous autres, hein? C'est-tu ça qui te tente d'être remplacé par un hindou, hein? Comment tu vas expliquer ça à ta femme? Vous feriez pas ça, boss. Pas des hindous. Checkez-moi bien, là, hein? Je vais te faire une offre, hein, que tu pourras pas refuser, hein?
retourne travailler, puis je vais faire assemblant, hein, que tu m'as rien dit. Hein, puis dis aux autres que si essaye encore, hein, je les mets à leur compte, puis j'engage Lucide Bouchard, hein? Lucide Bouchard, hein? C'est une bonne convention collective, ça, hein? Oui, oui, boss, là, mais vous engagerez pas des hindous, là, hein? Non, 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 je pense pas. Merci, boss.